Pour se sauver d'une élimination, Rudy de Koh-Lanta, le feu sacré a tenté le tout pour le tout, faire croire qu'il a trouvé un collier d'immunité. Une stratégie qui relève du coup de génie selon les téléspectateurs de l'émission. Et si un génie se cachait en réalité derrière Rudy de Koh-Lanta, le candidat du feu sacré a, enfin, prouvé ses qualités de grand stratège dans le 7e épisode de la saison, diffusé ce mardi 4 avril sur TF1. Après son retour dans l'aventure auprès des jaunes à la suite de l'abandon médical de Martin, le conducteur de métro a été fraîchement accueilli. Sa position d'ancien rouge lui faisait défaut et, en cas d'échec lors de l'épreuve d'immunité, il serait forcément sur la sellette. Le papa de deux filles a donc eu une idée brillante, après avoir trouvé un détournement de vote dans la forêt, il réunit sa nouvelle tribu pour mettre en place son plan. Rudy, Koh-Lanta, le feu sacré, fait croire à un faux collier d'immunité en plus de cette arme stratégique, Rudy décide de faire croire à ses coéquipiers qu'il a également trouvé un indice pour un collier d'immunité. Pour appuyer ses propos, il brandit un deuxième étui qui est en réalité celui de l'arme stratégique trouvée anciennement sur le camp rouge. Je suis à demi sauvé. Enfin, pas totalement. Chez vous, j'ai eu le temps de trouver un indice et une arme. Le premier, si est-il un avantage stratégique. Je détourne le vote de quelqu'un, ça me fait deux voix. Ce qui m'intéresse, si est-il plutôt la deuxième chose qui me donne un indice pour trouver le collier. À moi de bien gérer mon après-midi, dit-il au moment de convoquer tout le monde. Plus si est-il gros, mieux ça marche, se réjouit Rudy dans Koh-Lanta 2023 après son coup stratégique interloqué, Nicolas demande à voir le parchemin sur lequel est inscrite la consigne du détournement de vote. Rudy se fait donc un malin plaisir à lui donner le papier. Merci de nous la montrer, réagit même l'ancien chef des jaunes, saluant l'honnêteté de son adversaire. De retour dans la forêt pour une interview face caméra, Rudy exulte. Même si je sors ce soir, je suis content de moi par ceux qui ont bu mes paroles. Je crois que plus il est gros, mieux ça marche. Ça doit cogiter un max. Est-ce qu'il baratine? Est-ce qu'il est sincère? Mais le fait d'avoir montré un parchemin a tout validé, se réjouit le conducteur de métro. Sur les réseaux sociaux, cette stratégie a enthousiasmé les internautes qui ont été nombreux à crier au génie pendant la diffusion de l'épisode. Le pire bluff de tous les temps, hashtag Koh-Lanta pique. Twitter.com/U73Kaftki, dans @DamienBellemin, April 4, 2023 Mais Rudy si est trop jeune peut plus hashtag Koh-Lanta pique. Twitter.com/Diff0A4AI, Mélodie D. Belgique, @MélodieDégouy, April 4. 2023 PTDRRR Rudy est incroyable, j'adore ce mec hashtag Koh-Lanta, kimkim@kimirp, April 4, 2023 comment c'est possible d'être aussi naïf hashtag Koh-Lanta, télévision, Yacine, étoile, @YacineKDV91, April 4, 2023 PTDRRRR mais Rudy est fou, visage qui pleure, merci pour le divertissement. Visage qui pleure, hashtag Koh-Lanta, Angela, Laos,
@angela-vlh, April 4, 2023 Joulem par Rudy mais c'est du génie hashtag Colanta, ours, flocon, @myworld765, April 4, 2023 il a bluffé tété le monde, visage avec des larmes de joie, hashtag Colanta le feu sacre, Zapti Télévision, Télévision, @zapperfou10000, April 4, 2023 si est-il le diable ce mec. Hashtag Koh-Lanta, jeu de moi SL @caroui45052828. April 4, 2023 MDRRRR Rudy le crack je peux pas vous montrer l'autre vu que c'est un indice pour le collier hashtag Koh-Lanta pique. Twitter.com/i66ju0dienta, Rudy ATICI si mais il est fort, @mdrtaegel, April 4, 2023 hashtag Koh-Lanta Rudy des idées de génie, Mathieu Kneipen @donjettemivron, April 4, 2023 à lire aussi Gilles, Koh-Lanta 2023, évoque avec humour ses performances, comme dit souvent Spider-Man.